Mesdames, messieurs, sans plus attendre, parce que ce soir, c'est un soir très spécial, parce que tout le monde, les très actifs personnes qui nous permettent de respirer, de s'amuser, de se divertir, d'avoir des services dans cette belle région qu'est la région d'Autré, eh bien, nous sommes tous réunis à cause de cette, voyons ici, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autré qui nous permet d'être ici, de profiter, de festoyer ensemble notre belle vivacité. Et pour commencer, je vais immédiatement vous présenter les membres de ce magnifique conseil qui nous permettent comme ça d'être là ce soir chez Régent Laporte. Alors commençons immédiatement. Est-ce qu'il y a une musique de soutien? Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est bon? Elle a tout, elle est extraordinaire. Je t'engage. On commence tranquillement. On commence par le plus bas de l'échelle. Fait qu'on commence avec le directeur général, celui qu'on paye. Alors voici Louis Sauvageau! Louis Sauvageau! Viens voir mon beau Louis qui s'en vient comme ça. Vous voyez, la limousine vient d'arriver avec tous les membres du CA pour vous dire comment nous sommes juste des mortels. Mais eux autres, c'est les vrais de vrais. Ensuite, suis les membres de l'administration. Alors, je vous les présente. Voici Vanessa Sylvestre, la belle Vanessa Sylvestre, qui arrive, elle, par la porte de derrière. Vanessa Sylvestre, qui porte, évidemment, vous l'aurez, qui est habillée par Andrew Charles. Voilà, voilà. Également, voici Mélanie Bélanger. Mélanie Bélanger. Qui, elle, est habillée par Chamonchard. Et voici maintenant M. François Robert, du comité d'administration de la belle Chambre de commerce et d'industrie d'Autier. Attends, regarde, c'est un tonnerre d'applaudissements. Évidemment, qui a pogné récemment, hein, une contravention de style de Jean Héroldi, tout récemment. Et maintenant, voici M. Frank Dupuis. Profite des applaudissements. Peut-être les derniers de ta vie. Voilà, bravo. Frank Dupuis. Comme une équipe d'impro, comme une équipe d'impro. Voici maintenant Cathy Champagne. Cathy Champagne. Come on down, Cathy Champagne. You're the next contestant at the Price is Right. Dis $1. $1, Bob. Viens, ma belle Cathy. Oui, donne la main à personne, il ne mérite pas. Voici maintenant le seul et unique, celui qui nous fait bien manger. Voici Tommy Croisetière. Oui, Tommy Croisetière, un roux, qui s'acharne à vouloir jouer au hockey. Merci beaucoup. Qui refuse de vieillir. Voici maintenant mon bon ami que j'aime tellement y faire un rosse à la tête, mais il est tellement grand qu'à un moment donné, j'arrête. Voici Guy Bénard. Guy Bénard. Le peinard de Guy. Ah, Guy Bénard, regardez ça. Mesdames, restez-vous l'œil. C'est lui. Ah! Et il sera à la soirée Veuve de la chasse au mois de novembre à Grosse-Bertrand. Il sera déguisé en Tarzan pour l'occasion. Maintenant, voici ceux qui sont le top du CA de Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Lautré. Commençons par le trésorier lui-même, M. Daniel Blais. Daniel, fais-nous le plaisir de ta présence sur la musique endiablée de Austin Power. Daniel Blais, qui a la coupe de cheveux de Louis Marcotte ce soir. Merci beaucoup de ta présence. Merci. On l'adore. On l'aime tellement d'amour. Et voici maintenant le secrétaire, M. Hugo Ouellette, qui a volé pour l'occasion la petite veste de Jacques Parizeau. Monsieur le ministre. Ah! Super! Parce qu'il y avait quoi les chiens, oui. Alors, voici maintenant le vice-président, monsieur Jean-François Laporte. Notre hôte. Notre hôte.
Regardez-le, élégant, portant un habit de Hugo Boss. Mais il t'a pitché le veston par la tête. Voilà. Voici maintenant le deuxième vice-président. Oui, oui, c'est la seule entité où il y a deux vice-présidents. Parce qu'il y en a un qui est toujours, il colle malade. Ou il a trop bu la veille. Voici maintenant M. Munchkin lui-même. Non, pas... Tim Bits. Ah non, mais ça n'existe même plus, il n'y a aucune compétition. Voici Steve Bichet. Ah, il a changé, Steve. Regarde-moi, Steve. Il est rendu blond, étincelant. Ah non, il est là. Décevant. Non, il est magnifique. Steve Bichet, wow. T'es un modèle, t'es un modèle. Et voici le président, celui qui va prendre la parole à l'instant. Le seul, l'unique. Ah, lui, hein, il met de la vie dans une place, même s'il encourage la mort. Voici Louis Simon La Montagne! Bonjour à tous. Bonsoir. Donc, pour une grande surprise cette année, hein, pour un quatrième mandat consécutif, comme j'ai demandé au CA au moment où c'était le temps de choisir les postes, je lui ai demandé, j'espère que c'est juste que vous n'êtes pas trop tanné. J'ai ouvert ma place. C'était pas mon but nécessairement de rester. Je le fais pour faire une belle transition. Le pourquoi aussi qu'on a deux vice-présidents cette année, c'est qu'on va voir... en fait, les deux vice-présidents vont prendre souvent la parole cette année. Les deux vice-présidents vont avoir l'occasion de recevoir nos invités pour des activités qu'on va faire, dans le but justement de s'habituer, parce que l'année prochaine, c'est certain qu'il y en a un des deux qui va prendre ma place. Pour l'année qui vient, ce que j'ai l'intention de faire, puis ce que j'ai présenté au CA, c'est que pour boucler la boucle de ce qu'on a fait dans les dernières années, on a changé la chambre de commerce, on a amené un nouveau logo, on a déménagé, on a amené une nouvelle structure. Mais cette année, pour ma dernière année, ce que je veux, c'est que la chambre de commerce soit partout. On veut regarder pour la visibilité de la chambre de commerce, que les gens à Berthier, on pense faire des autocollants pour mettre dans les portes des commerces, comme il y a déjà eu, mais avec le nouveau logo. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit partout, que les gens voient partout le logo et aient envie de faire partie de la chambre de commerce, puis de dire « moi aussi, je suis dans cette gang-là ». Donc, en espérant que ça fonctionne. J'aimerais remercier particulièrement la famille Laporte qui nous reçoivent ici ce soir gracieusement. Hein? Toute la soirée, ce que vous buvez, ce que vous mangez est une gracieuseté de la famille Laporte. Donc, un grand merci de nous recevoir. Ça va? Et j'aimerais aussi, en terminant, dire un gros merci à M. Ronald Cormier, qui, ça fait plusieurs années qu'il est avec nous sur le conseil d'administration, qui a décidé de nous remettre sa démission cette année parce qu'il y avait d'autres engagements. Et puis, ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Juste 3 ans? 5, 6, 7. Alors, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Ronald Cormier pour son implication à la Chambre de commerce qui est avec nous depuis plusieurs années. Son regard éclairé a toujours été d'un grand soutien pour nous au conseil d'administration et je vous remercie pour votre implication. Donc, j'espère que vous allez avoir une belle soirée. Je passe la parole à François. Mais ça fait plaisir, moi, Louis Simon, bravo! Merci, Louis. Merci beaucoup. Et on enchaîne immédiatement avec un autre membre du CA. Il s'agit du vice-président, M. Tim Horton lui-même, M. Steve Bichet, qu'on applaudit. Oui, oui, il le mérite. James Bond. Bonjour. Donc, juste pour être sûr qu'on m'entende bien. Au nom du conseil d'administration, je tiens à vous remercier d'être présent ici ce soir pour notre lancement. Je vais lire un peu parce qu'il faut qu'on remercie nos partenaires qui sont très importants pour la Chambre de commerce pour le bon fonctionnement. Donc, on va commencer par Desjardins Entreprises de la Nandière, représentée par Mme Lynne Dumontier. Ensuite de ça, oui, bon applaudissement. Merci. La Ville de Berthierville, représentée par Mme Suzanne Nantel, la mairesse.
Ensuite de ça, nos partenaires, Lucie, cabinet d'assurance et services financiers. Résidence funéraire F. Thériault, notre président du Simon. EBI Environnement. SADC d'Autry-Joliette. La compagnie A. Richard. IGA Croisetière. Fil métallique Berthier. Il en reste encore. Technicom. L'Action d'Autré. Michel Desmarais, CPA. Faut pas oublier non plus nos partenaires d'événements déjà inscrits cette année. On a Automobile Régent Laporte qui nous accueille ce soir. On a également Accès compétences d'Autré, parrainé par la SADC d'Autré, Joliette, le CLD d'Autré, Emploi Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation des exportations. Faut quand même répliquer ce qu'on veut. On a également TC Média qui sont partenaires. La Ville de Berthierville, encore une fois. Et Desjardins Entreprises, si on parlait des partenaires d'événements pour cette année. Donc, un merci à tout le monde d'être présent ce soir. Merci à toi, Steve Piché! Merci, Steve! Bravo! Bravo à toi, puis bonne chance pour Vol 700... C'est quoi le show à la TVA? Je sais que tu es là-dessus. 920, hein? Tu t'en vas en Haïti, je pense, reconstruire une école. Bravo! Un Tim Horton pour les Haïtiens, exactement. Alors là-dessus, et c'est le temps de vous présenter un PowerPoint. C'est une technologie incroyable qui date de 1987, je crois, une affaire de même. Et cette technologie-là va nous permettre de découvrir les activités que nous réserve cette Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autré qui vraiment innove et vraiment nous prépare de choses extraordinaires pour l'avenir. Mais pour ce faire, je vais demander au président, non pas au président, au directeur général, qui est Louis Sauvageau, qui fait un travail extraordinaire. Un bon applaudissement pour Louis Sauvageau, sérieusement. Louis, merci. Et pendant qu'il se fait dire des secrets, probablement, c'est qui le meurtrier de JFK, j'imagine, dans l'oreille, tranquillement, oui. Ah, il écrit les textes. Alors, Guy Bénard, qui écrit les textes pour Louis, qui vient de lui dire, on tue la une. Louis, je vais te demander de nous présenter ce que nous réserve. Mais vraiment, on est fébrile. Quel suspense insoutenable. Je ne sais pas pour vous. Je remercie mon ami aussi, le maire de Saint-Gabriel de Brandon, qui est là. On le salue. Monsieur le préfet, en plus, de la MRC. Je lui disais à quel point j'aime des fois aller juste m'étendre au bout du quai à Saint-Gabriel de Brandon. Le gars qui est nu, là, c'est moi, ça. Oui, les nombreuses plaintes, oui, c'est moi. Parce que j'adore ça. Merci beaucoup de cette terre et de cet endroit villégiature incroyable. Oui, Louis, est-ce que tu es prêt? Non, juste avant, on va immortaliser, pas le choix, ça. Il faut immortaliser le CA. Alors, on va vous demander de vous mettre ici. Est-ce que vous, oui, installez-vous, ou devant une Lincoln pour une publicité en même temps, ou je ne sais pas. Ou devant monsieur... Oui, parfait. Ah oui, oui, parfait, parfait. Alors, tout de suite après la photo. Alors, on va installer, sur une musique endiablée, qui non seulement une chanteuse, mais une DJ hors pair. Je parle évidemment de Catherine Leblanc, tout le monde! Fier produit d'ici. Enseignante également de musique, c'est ce qu'elle me disait. Oui, ça nous fait plaisir. Surtout, ça va être bon pour les revenus, tu sais. Il n'y a rien qui est gratis à Saint-Norbert. Hein? Oui, non. La seule chose qui est bon marché, c'est les autos chez Régent Laporte. Oui. Ouais. C'est sûr. On est très heureux de vous accueillir ici chez nous ce soir. Bien, c'est réciproque parce qu'on aime beaucoup. Hein? Quand on nous invite comme ça, on répond habituellement. On aime bien ça, se faire accueillir. On est sorteux. Et puis, on aimerait vous remettre une enveloppe ici. Parce qu'il est écrit « Monsieur maire de Saint-Norbert ». C'est pas mal vous, ça? Oui. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça cache. Est-ce qu'il peut l'ouvrir? Non, pas le droit de l'ouvrir. Ça m'inquiète un peu, là.
Bon, vous laissez lire ça tranquillement dans un coin. Oui. Vous recroquevillez, tranquille. Puis j'ai-tu le droit de réplique si ça me rend pas heureux? Ça vous, vous criez comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'accord. OK, bon, on sera là. Les équipes d'urgence santé sont là. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Bonne soirée chez nous. Bien, santé à vous, hein? Merci beaucoup, le maire de Saint-Lambert lui-même. Et j'imagine qu'en les prochaines secondes, quelqu'un va me souffler son nom. Non? Personne? Personne. Personne n'ose, parfait. Ah! Guy! Paradis! Parfait, voilà, je savais. Bon, regarde, non. Bon! Là, je vais inviter cet homme-là, qui est, mon Dieu, vous avez vu comment il a une gueule d'artiste extraordinaire. C'est une vedette locale. Le beau Brumel. Madame, on ne se le cachera pas. Combien de fois vous avez dit à votre mari, ça se peut. Ça se peut que ce soit que je parte avec le directeur général, oui, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Audrey. Le voici, monsieur Louis Sauvageau. Le voici. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis bien heureux de vous voir ici ce soir pour vous faire la présentation de notre programmation. Vous allez constater que c'est une programmation assez diversifiée et très complète. J'espère que vous allez apprécier. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Le cocktail du président, donc c'était la première slide qu'on va passer. Oui, ça va venir. La deuxième s'en vient, j'imagine. Alors, dès le 15 octobre, donc pas plus tard que dans trois semaines, nous aurons le dîner-conférence avec Jacques Hébert. Le titre, « On est tous uniques et pleins de potentiel », mercredi le 15 octobre, de 11h30 à 13h30 au Club de golf de Berthier. C'est une conférence qui est présentée par Accès compétences d'Autré. Jacques Hébert est conférencier, formateur et motivateur. Doué pour la communication, il a passé plus de 30 ans dans la vente, obtenant un succès colossal. Aujourd'hui, il se dédie principalement à ses conférences et à la formation de gens désireux de se dépasser et de connaître le succès. On peut dire de Jacques qu'il est un cordonnier bien chaussé. En d'autres mots, ses bottines suivent ses babines. Écoutons Jacques. Alors, pourquoi venir voir ma conférence? Bien, c'est relativement simple. La première des raisons, on va avoir du fun. La deuxième, vous allez vous rendre compte que vous êtes un potentiel sur deux pattes et que vous pouvez amener votre entreprise exactement là où vous voulez l'amener. Troisième des raisons, la manière dont vous vous jasez joue un rôle sur l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Quatrième des choses, j'aimerais vous dire que je vais vous donner des trucs, des idées, des façons de faire, autant en communication qu'en vente. En plus, évidemment, bien, c'est une activité qui bouge. J'ai un comédien avec moi, j'ai de la musique, j'ai des vidéos, puis j'oubliais. À travers ça, je parle aussi. Et finalement, juste pour vous dire que je vais vous faire réaliser que vous êtes unique et plein de potentiel. Et c'est ça que je vais vous parler le 15 octobre prochain. Alors, c'est un deal. On se voit le 15 octobre. Nous poursuivons notre série de conférences avec notre conférencier vedette cette année, M. Danny Dubé. Dans l'œil du coach. Mercredi, le 26 novembre, c'est un dîner, encore là, de 11h30 à 13h30 au Club de golf de Berthier. Et c'est une conférence qui est aussi parrainée, présentée par Accès compétences d'Autré. Accès compétences d'Autré, comme vous le savez, qui est parrainée par Emploi Québec, la SADC d'Autré-Joliette, le CLD d'Autré et le ministère de l'Économie et de l'Innovation et des Exportations. La carrière de Danny Dubé comprend 10 années d'expérience à titre d'entraîneur avec comme point culminant une participation aux Jeux olympiques de Lillehammer. Il a conduit l'équipe canadienne à une médaille d'argent en Norvège, en plus de remporter une médaille d'or au championnat du monde en Italie en 1984. Conférencier invité dans plusieurs colloques nationaux et internationaux, en 2009, il fut sélectionné parmi les 100 personnes les plus influentes de la Ligue nationale de hockey, selon le magazine de Hockey News. J'espère être en mesure d'égayer votre journée comme ces belles fleurs derrière moi viennent embellir le paysage. J'ai écrit « Gérer ses coachés », c'était des réflexions de coach, mon histoire de vie comme entraîneur, ce qui m'a interpellé, les leçons de vie à travers le sport. Ceux qui me connaissent, Louis entre autres, le savent, je suis un homme de projet. J'aime avoir des projets et je pense que les projets rassemblent les gens.
ce projet-là, celui du nouveau livre, Dans l'œil d'un coach, c'est également des histoires de sport, des histoires de la dernière année, des choses qui m'ont interpellé, qui sont venues me chercher. Je retiens des leçons de vie à travers ça, je les partage avec vous. Et un petit quelque chose de particulier dans ce livre-là, c'est que la personne qui a écrit le livre, c'est ma fille. C'est elle qui a été la rédactrice de ce livre-là, Marika. Ça a été une expérience extraordinaire. J'espère que vous serez là. Je vous partagerai cette histoire-là, celle d'avoir fait le livre avec ma fille, mais surtout les histoires de la dernière année sportive qui m'ont interpellé. Et je dis toujours la même chose et je vous laisse là-dessus en vous attendant pour la conférence. Les gens d'action ont quelque chose à dire, ont quelque chose à nous apprendre. Et le milieu du sport est rempli de ces gens-là. À bientôt. Oui, applaudissements. Bravo. Et maintenant, nous approchons Noël. Et mardi, le 9 décembre, dans un 5 à 7, fêtons Noël à la Grosse Bertha. Fait qu'on vous invite tous. Vous serez les bienvenus. Non, mais juste pour dire, oui, c'est ça, c'est un 5 à 7 au mois de décembre, lequel? Le 9. Le 9 décembre? Le 9 décembre. Alors, beaucoup de plaisir au complexe de la Grosse Bertha. C'est tout. Merci. Wow, merci. Wow, merci. Et nous commençons l'année le 21 janvier, dans un 5 à 7, un 5 à 7 réseautage, où nous allons essayer de démystifier c'est quoi ça, cette bébête-là de Lincoln. Lincoln, donc, le 21 janvier, de 17h à 19h, au complexe de la Grosse Bertha, toujours. Et cette conférence présentée par Mme Caroline Bédard, qui est avec nous ce soir. Mme Caroline Bédard. Caroline Bédard, présidente et fondatrice de KBCOM, agence de communication et gestion d'événements. Présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec et région Basse-Laurentide. Mme Bédard est une femme d'affaires déterminée au leadership d'action convaincant. Elle détient une solide expérience dans les médias écrits, en plus d'un parcours dans le milieu artistique et une vingtaine d'années dans la représentation et la gestion. Elle est une personne créative et affranchie. Bonjour, vous avez tous un compte LinkedIn, mais quoi faire pour avoir des affaires prospères sur les réseaux sociaux? Alors, je vous invite à venir voir ma conférence au mois de janvier et je vous donnerai mes trucs, surtout comment faire pour être un must dans les réseaux sociaux avec LinkedIn. Alors, je vous laisse et on se revoit le 21 janvier. Au milieu février, donc le 11 février, on revient avec nos conférenciers du midi. Ce sera le mentorat d'affaires, présenté par Desjardins Entreprises Lanaudière, par M. Jacques Plante. Ce sera un dîner d'affaires de 11h30 à 13h30 à la Moisson Dorée. Oui, il était là, je l'ai vu, Jacques. Oui. Donc, M. Jacques Plante est avec nous. Jacques est un professionnel de la communication. D'ailleurs, il est toujours le morning man à la radio régionale de Lanaudière. Depuis janvier 2013, à titre de coordonnateur de la cellule de mentorat pour les MRC de Dautré et de Joliette, l'organisme porteur Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré, Jacques parle de mentorat sur toutes les tribunes qui lui sont offertes. Selon Jacques, le mentorat d'affaires est une pratique intelligente et stimulante. Oui, merci. C'est très gentil. Invitation qui a été lancée par la Chambre de commerce de Dautré, mon ami Louis. Et j'aurai l'occasion au mois de février, c'est le 11, si je me rappelle bien. D'ailleurs, on l'indique, je pense, au bas de l'écran pour être persuadé de la chose. 11 février, j'aurai l'occasion de vous parler du mentorat d'affaires. Moi, je suis attaché à la cellule qui est détenue par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. Donc, j'ai l'occasion de desservir les deux MRC, celle de Joliette et celle de Dautré. Nous avons actuellement, et ça c'est une bonne nouvelle, une trentaine de jeunes entrepreneurs des deux MRC que nous moniterons avec une équipe chevronnée de mentors. Qu'est-ce que c'est le mentorat d'affaires? Bien, il faudrait être là le 11 février prochain. C'est une invitation que je vous lance. Bonne soirée! «
Maintenant, on revient avec un 5 à 7, mercredi le 25 février. Projet et vision de Mme Suzanne Nantel, mairesse de la ville de Berthier. Ça va se passer au CABA et c'est présenté naturellement par la ville de Berthier. Mme Suzanne Nantel, à la retraite depuis décembre 2013, après avoir œuvré durant 30 ans à la Sûreté du Québec et à Service Canada au niveau de l'administration et de la gestion des ressources humaines et financières, elle fait un retour en politique municipale à Berthierville en 2013 comme mairesse, ayant été au préalable conseillère municipale de 2003 à 2009. Suzanne est ici avec nous. Bienvenue, Suzanne. Bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Si le 25 février 1964, Cassius Clay, mieux connu sous le nom de Mohamed Ali, a été couronné à 22 ans champion du monde des poids lourds, qu'un 25 février de l'an 1873 a marqué la naissance du ténor italien Caruso, de celle en 1943 de George Harrison, célèbre guitariste des Beatles, et que plus près de nous, un même 25 février de 1994, celle de notre championne de tennis Eugénie Bouchard, le 25 février 2015, lui, sera marqué non pas par une tempête de verglas comme on a connu en 1961 la région métropolitaine, mais par une présentation à laquelle je vous convie, portant sur les projets de notre ville pour 2015, sur le développement économique désiré et sur la vision de son conseil municipal. Un 25 février qui se voudra un rappel sur l'une des chansons d'Angèle Arsenault, dont le décès est survenu le 25 février dernier et qui m'a inspirée. Je veux toute la vivre ma vie. Et moi, j'y rajouterais à Berthierville, une ville dont on peut être fier. Alors, c'est donc un rendez-vous le 25 février prochain. Merci et au plaisir. Merci, Suzanne. Le 11 mars, mercredi le 11 mars, un souper cette fois-ci, pour notre première fois de l'année, le souper expert-entrepreneur, qui sera, en fin de compte, une table ronde de mentorat dirigée par notre ami Jacques Plante, qui va nous revenir pour une deuxième fois. Donc, ça se passe le 11 mars, de 18h à 20h30 à la Moisson Dorée, et c'est encore une conférence présentée par Desjardins Entreprises Lanaudière. Encore un petit mot sur Jacques Plante. Dans un deuxième temps, Jacques nous revient avec cette fois une équipe. Fort d'un réseau de contacts de tous les milieux, pour cette rencontre, il s'est entouré de mentors chevronnés. Pour Jacques, le travail en équipe est son sport favori. Bien, j'espère que vous passez une très bonne soirée. Moi, je marche d'un 11 au 11. Je vous ai parlé tantôt du 11 février. Là, je vous parle du 11 mars, alors qu'on a un souper expert entrepreneur. J'ai de la suite dans les idées. Tantôt, je vous parlais de jeunes entrepreneurs, de mentorat d'affaires. Eh bien, là, on va avoir ceux qui ont réussi dans la vie, qui seront là, nos invités d'honneur. Et nous aurons également des entrepreneurs en salle. Et je vous promets une soirée où on aura beaucoup de plaisir à s'échanger des trucs, à se raconter des histoires, des bâtisseurs, des experts de chez nous. Et ça, c'est important. Alors, c'est une soirée à laquelle je vous convie. C'est inscrit en bas, là où c'est ça. C'est bel et bien le 11 mars. À bientôt. Merci, Jacques. Nous revenons le 24 mars avec une formule 5 à 7 avec notre ami Normand Harvey qui va venir nous faire une conférence sur le marketing numérique. Normand est ici avec nous ce soir. Bonjour Normand. On est quand même assez chanceux parce que plusieurs de nos conférenciers se sont déplacés pour venir à notre rencontre ce soir. Fait que je vous en remercie et vous en félicite. Merci beaucoup. Donc, je disais, le marketing numérique par Normand Harvey, c'est une conférence présentée par TC Media et ça va se passer au complexe de la Grosse-Bertha. Normand Harvey, diplômé de l'Académie des arts de Montréal, il est publicitaire depuis 28 ans. Tour à tour, concepteur, directeur des ventes à Joliette, Laval et Repentigny. Il est maintenant directeur stratégie de vente multiplateforme pour les régions de Lanaudière et la Mauricie chez TC Media. Alors, bonjour tout le monde, Normand Harvey. On va se voir bientôt et j'ai très hâte. Un 5 à 7,
au cours de laquelle on va parler de l'importance du site web, du marketing numérique pour les commerces locaux. Donc vraiment, on va axer la présentation sur les possibilités numériques et l'importance du site web pour les commerces de proximité et comment on démystifie tout ça, qu'est-ce qu'on fait en marketing digital. On aura une très belle rencontre. Alors, c'est une invitation et j'ai hâte d'aller vous rencontrer et au plaisir de se rencontrer. Merci, Normand. Le calendrier des activités régulières s'achève. Ce sera notre dernière conférence de la saison 2014-2015 pour nos conférences du midi. Il s'agit d'un dîner-conférence avec Alexandre Poche. Latitude Poche. Ça va se passer mercredi le 15 avril de 11h30 à 13h30 et ça se fera au complexe funéraire F. Thériault. C'est une conférence qui sera présentée par Accès et compétences d'Autry. Alexandre Poche. Le 14 mars 1987, Alexandre Poche est victime d'un terrible accident de hockey. Il a 16 ans. Selon les médecins, il ne lui reste que quelques semaines à vivre, plus précisément 2 semaines. 27 ans plus tard, Alexandre Poche, tétraplégique, donc paralysé des pieds aux épaules, fait mentir de belle façon le pronostic des médecins. Devenu avocat, conférencier et conseiller municipal, entre-temps, il raconte aujourd'hui comment il a su réinventer sa vie, peu importe la situation, et que rien n'est impossible. Et croyez-moi, il ne faut pas manquer ça. Plusieurs, je vois Caroline là, qui est ici, qui l'a déjà vu, pareil comme moi, on connaît Alexandre. C'est une conférence là, qui il faut. C'est une référence. Donc, Alexandre. Et il y a Attitude Poche. J'aime beaucoup le nom, le trademark marketing Attitude Poche, où tu vas donner des conférences. Mais ça, c'est pas nouveau parce que tu en as déjà donné dans le passé. Oui, mais là, je viens d'en faire de mon métier. Parce que je veux devenir ou je vais être conférencier professionnel. Comme je t'avais déjà expliqué, ce que je veux faire, dans le fond, c'est inspirer, motiver les gens, leur démontrer que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tout est possible. Vous remarquez que Alexandre se déplace qu'en fauteuil roulant. La seule chose qui bouge, c'est à partir de la tête en montant. Puis il fait tout de façon normale. Il est devenu avocat de cette façon-là. Il a passé son droit comme n'importe quel avocat. Et aujourd'hui, il est conférencier. Il avait arrêté les conférences. Il a recommencé à faire des conférences. Et il est aussi devenu conseiller municipal dans la ville de Blainville. Il n'a jamais arrêté. Puis il ne peut à peu près pas faire rien seul. Mais il a tout fait dans la vie. Fait que je vous invite fortement à venir le rencontrer. Très sympathique. Maintenant, passons à notre série d'activités spéciales dans le prochain calendrier. On va commencer par la visite de quartier industriel. Cette année, la Chambre de commerce va vous inviter dans 2 visites de quartier industriel, soit une le 8 avril de 14h à 18h à Lanoraie pour commencer. Tout le monde a vu, quand on passe sur la 40, on voit que Lanoraie se développe au niveau industriel. On va aller voir ce qui se passe. On va rencontrer des entrepreneurs industriels dans ce coin-là. Donc ça, ce sera pour le 8 avril. Et aussi, sans oublier Berthierville, qui a aussi un quartier industriel, on va y revenir de la même façon, le 6 mai de 14h à 18h. Vous serez les bienvenus, puis vous, de toute façon, vous serez contactés pour ces activités-là. Une autre grande soirée qu'on veut préparer, les détails ne sont pas établis encore à ce moment-ci, mais c'est la soirée hommage. C'est une soirée vin fromage et nous aurons à ce moment-là l'élection d'une personnalité de l'année. On s'entend bien que ce que l'on prépare actuellement, ce n'est pas une entreprise, mais une personnalité de l'année, une personne qu'on va honorer pour la soirée hommage. Ça va avoir lieu mercredi le 13 mai de 18h à 21h et ça va se passer au Vignoble Caron, en collaboration avec, naturellement, Vignoble Caronne et la fromagerie Domaine Féodal. Dans notre autre activité spéciale, nous sommes à préparer le défi entreprise.
On se souvient que les dernières années, le défi entreprise, c'était une journée de paintball pour les entrepreneurs avec leurs employés et ainsi de suite. Cette année, on change le défi entreprise paintball pour le défi entreprise hockey. On veut revenir avec un tournoi de hockey à Berthier. Oui. On a quelques membres du CA qui ont un beau défi là-dedans. Mais on va travailler ensemble puis on va le réussir. On va commencer humblement, on va le faire sur 3 jours, donc une fin de semaine. On n'essayera pas ça sur 2 fins de semaine, là, mais on va commencer pour une fin de semaine sur 3 jours. Les dates retenues déjà pour l'aréna sont le 29 mai, le 30 mai et le 31 mai. Naturellement, ça va se passer à l'aréna Joanie Rochette. Je pense que c'est la dernière, hein? Oui, la dernière activité officielle de l'année, qui, dans le fond, est une activité qui va se passer dans notre autre année à nous, mais c'est la fameuse classique de golf qu'on a recommencé cette année, mais elle se passe au mois de septembre. C'est pour ça qu'on vous en parle tout de suite, mais officiellement, c'est dans l'autre année. Donc, la classique de golf devrait revenir en septembre prochain. Sur ce, notre programmation autant régulière que spéciale est terminée. On vous a tout dévoilé. J'espère que vous êtes ravis de cette programmation et que vous serez en grand nombre à participer à nos activités. Je vous remercie beaucoup et je ne voudrais pas laisser sans oublier de remercier CTRB Télé qui m'ont aidé grandement pour le tournage des vidéos pour ce PowerPoint et aussi le montage PowerPoint. Donc, merci beaucoup à CTRB TV. Bravo, merci beaucoup. Louis Sauvageau, tout le monde, c'est Louis Sauvageau, directeur général. Tu sais ce que je blague beaucoup, c'est Louis, mais je trouve que tu es un vrai gentleman. Ouais. Non, mais t'es très gentil, mais c'est vrai c'est ce que je te dis. C'est senti, prends-les là, pendant que je le dis. Oui, là. Merci. Ben oui. Monsieur Ronald Cormier, je pense, aimerait venir nous dire quelque chose. Ouais, ben allons voir Monsieur Ronald Cormier qui s'amène. Et attendez, on va mettre toujours une musique walk-in, que l'on appelle. Oh! Ben voilà, sur Mission Impossible. Va-t-il se rendre? C'est ça. Oh, quel suspense! Ronald Cormier du Cabin. Alors le voici. Voilà, micro, attention, live. Bonsoir tout le monde. J'avais un merci à faire, mais avant, je voulais souligner quelque chose. C'est fort impressionnant de voir le travail de la Chambre de commerce actuellement. Je quitte avant de me faire nommer papy ou grand-père par les membres de la Chambre. Mais je quitte parce que j'ai d'autres engagements, mais je veux vous dire que je suis fort impressionné de voir comment l'équipe de la Chambre et le nouveau directeur général sont proactifs, pleins de vie et, comme vous avez vu tantôt, une planification très articulée qui est prometteuse, c'est stimulant. Je vais continuer à être avec le Centre d'action bénévole membre de la Chambre. Et apporter notre contribution au moment où on pourra le faire et que ça fera l'affaire des gens de la Chambre. Je veux surtout remercier les membres de la direction du conseil d'administration de la Chambre, mais surtout l'apporte Ford Lincoln de Saint-Norbert. Je pense à des gens que je connais, Martin, Jean-François, de plus proche, mais j'en ai connu d'autres ce soir, pour faire cet événement au profit du Centre d'action bénévole d'Autré. Le Centre d'action bénévole d'Autré veut être actif dans le milieu. Un petit commentaire, lorsqu'on dit que ce n'est pas des gens d'affaires, c'est peut-être vrai qu'on n'est pas des gens qui ont un objectif de faire de l'argent. Mais une des choses, c'est lorsqu'on contribue à garder les gens chez eux le plus longtemps possible, c'est les meilleurs pour faire de l'achat local. Et c'est... Comme j'avais dit à un moment donné, les personnes âgées, ils vont magasiner à Berthier, puis de temps en temps à Joliette. Mais on les voit très peu au Club Price de Trois-Rivières, de Montréal, de Repentigny ou de Pointe-aux-Trembles. Ils magasinent davantage chez eux. C'est des gens aussi qui contribuent à notre économie et à la vitalité de notre milieu.
Puis les gens âgés ne sont pas tous des gens dépendants. Nous n'avons qu'à regarder, nous avons près de 140 bénévoles actifs régulièrement. La majorité sont des gens retraités, mais pleins de vie, pleins d'énergie. Et lorsque pour ceux qui ont participé au niveau des essais auto, chaque essai donne au Centre d'action bénévole d'Autry un montant de 50 $ qui sera sûrement bien utilisé dans cette période de coupure budgétaire. Donc, à la famille Laporte et à l'organisation, à la Chambre de commerce, au nom du Centre d'action bénévole d'Autry, un gros merci. Puis on va continuer d'être là comme des gens actifs et vivants dans le milieu. Merci. Monsieur Cormier, du Cabas, bravo, bravo! Merci de votre apport, merci pour ces 3 ans. Et en plus, on peut compter sur votre soutien pour les prochaines années. C'est extraordinaire. Oui, il y a de la mouche. Merci à Frank d'avoir tué une mouche récalcitrante. C'est tout ce qu'elle méritait. Bravo. Oui, bravo, bravo à toi aussi. Maintenant, ce qu'on va faire pour les prochaines minutes, on en profite, on aime ça. Hein? C'était-tu bon ce que vous avez mangé? Oui. Hein? Des belles petites bouchées, ça. Merci au château. Château Joliette. Partenaire ici de chez Région Laporte. Laporte et fils pour le petit cocktail dînatoire. Et donc, ils sont là avec leur vin. Merci Isabelle, merci beaucoup. Et là, on continue à jaser entre nous autres. On appelle ça du réseautage. Alors, on s'échange plein de contacts. C'est ça le réseautage. Ça veut dire qu'on se parle, puis on échange des numéros de téléphone, puis des noms, puis on se rappelle plus. C'est ça du réseautage. Ça sert à ça. Fait qu'on fait ça pour les prochaines minutes, OK? Prochaines heures. Hey, les gens de Berthier, de Dautré, de partout de Saint-Cuthbert, de Saint-Lambert, on s'amuse. Et merci à DJ Catherine. Puis elle met en plus une toune de circonstances. Take care of your business every day. Take care of your business every night. Take care of your business and turn it all the time. Come on. Yeah. Alors, on mange, on boit. On mange, on boit. Come on. Oh yes, on achète des Lincoln, parce que pendant ce temps-là, là, ceux qui n'ont pas fait encore les tests de Lincoln, vous avez le temps de vous inscrire sur les tablettes électroniques et d'aller faire vos essais de véhicule. Moi, je vous dis, je suis vendu. Allez, excellente soirée tout le monde. Let's come on! Alors, M. Harvey, bienvenue à cette belle soirée. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle ambiance ce soir et comment vous trouvez ça? D'un, l'ambiance est à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer de la famille Laporte, bien évidemment. C'est des gens qu'on connaît depuis plusieurs années et qui font pas les choses à moitié, hein, autant dans leur commerce que quand ils reçoivent des gens. Et même si ça faisait un petit bout de temps où j'étais pas passé ici, puis je regarde simplement l'air de service qui est, ma foi, d'une qualité, d'une propreté absolument incroyable. C'est vraiment impressionnant de voir les efforts que ces gens-là font et pour centrer leur travail au niveau des clients et de l'ambiance et tout ça. Et la réception de ce soir est vraiment à la hauteur de ça. C'est vraiment fort agréable et la température est de notre côté aussi. Alors, tout entre en ligne pour que ça aille super bien, vraiment. Je suis bien d'accord avec vous. Et là, on est ici un petit peu aussi pour parler parce que vous allez avoir une conférence. Oui. Peut-être nous parler un peu quand est-ce que ça va se passer et de quoi ça va parler exactement. Voilà, j'attends la confirmation de la date exacte, je vous dirais, de la Chambre de commerce. Par contre, je peux vous dire de quoi ça va parler, bien évidemment. On a développé au cours des années une expertise chez TC Media au niveau de la publicité pour le commerce de proximité. Donc, et surtout au niveau du numérique, on le fait déjà avec nos journaux, on est déjà présent chez les gens avec le Publisac à toutes les semaines. Donc, tout ça, les gens nous connaissent là-dessus. Par contre, au niveau du numérique, on le sait, tout le monde, hein, ça bouge beaucoup, ça bouge rapidement. Et des fois, on a l'impression que ce n'est pas nécessairement adapté pour les commerces locaux. Alors, on a développé cette expertise-là, cette finesse dans nos, autant dans nos procédés que dans notre offre de service. Et effectivement, tout ça est centralisé sur le commerce de proximité. Donc, ma conférence va porter là-dessus. Qu'est-ce que les commerces de communauté, les commerces de proximité qu'on dessert déjà dans nos marchés via d'autres médias, comment ils peuvent non seulement tirer leur épingle du jeu au niveau du numérique,
mais le faire sans que ça coûte des fortunes et sans que ça devienne hyper compliqué. Donc, on va leur arriver avec des trucs et des suggestions très simples, souvent même des trucs gratuits qu'ils peuvent faire pour s'aider, aider leur commerce au niveau du référencement et au niveau de la perception des gens sur le numérique. Alors, on va aborder plusieurs sujets. On va faire le tour, évidemment, des sites web, le marketing en ligne et tout ça. Mais surtout et à chaque fois, dans chacun des propos et chacun des solutions médias, on va mettre ça en perspective pour des commerces de proximité. Et là, je pense que c'est là que les gens vont aller chercher une information pertinente à ce niveau-là. Bien, c'est très bien. De toute façon, ce soir, on va connaître la date. Absolument. Absolument. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir maintenant, mais... Oui. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Alors, bonsoir, M. Plante. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, Linda Loisel de CTRB. Je voudrais que vous nous donniez vos impressions à propos de cette charmante soirée qui est à peine commencée. Oui, à peine commencée. On a une journée tout à fait superbe. En plus, il fait un soleil radieux. Je connais un petit peu les gens de la famille Laporte. Alors, on est toujours bien reçus à Saint-Norbert. D'autant plus que moi, je suis un petit gars de Saint-Barthélemy. Et j'ai habité longtemps à Saint-Gabriel, donc les installations de nos amis Laporte ici, je les ai croisées souvent parce qu'à l'époque, je travaillais à la station de réseau de Saint-Gabriel, c'est FNJ. Ça, c'est quand même une partie importante de ma vie. Je suis ici ce soir non seulement pour appuyer mon chum Louis Sauvageau, qui est le nouveau directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré, si j'ai bien le nom, et j'aurai le plaisir et le privilège d'être conférencier. Ça va se passer le 11 février prochain parce que non seulement je suis animateur à la radio, mais je m'occupe également de mentorat d'affaires pour les deux plus belles MRC de la région de la Naudière, c'est-à-dire celle de Joliette et celle de Dautré. Alors, j'ai des mentors qui, avec moi, travaillent et on s'occupe de donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs de nos deux MRC. Alors, ce sera mon propos le 11 février prochain à la Chambre de commerce de Dautré. Je vous y invite d'ailleurs. Puis, il y a d'autres choses qui sont en préparation également avec les gens de la Chambre de commerce. Ce sera super intéressant. On va passer une excellente soirée, j'en suis persuadé. Alors, bonjour, Mme Nantel. Je suis avec Suzanne Nantel, la mairesse de Berthierville. J'aimerais beaucoup avoir ses impressions à propos de cette charmante soirée qui débute à peine. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette belle ambiance? Écoutez, je trouve l'initiative de la Chambre de commerce vraiment très pertinente là, dans le contexte. C'est quand même une belle idée d'avoir... organiser un cocktail du président, je pense que c'est une première. Et ça regroupe un paquet de gens, les gens d'affaires, des élus municipaux, un petit peu tout le monde. Alors, je trouve ça une très, très belle initiative et chapeau à la Chambre de commerce. Je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, je sais que vous allez faire une conférence durant l'année parmi plusieurs conférenciers qui vont venir. Est-ce que vous pouvez juste nous toucher un petit mot à propos de cette conférence? Écoutez, je ne dévoilerai pas des petits scoops, mais effectivement, on m'a demandé de participer aux conférences qui vont se dérouler tout au cours de l'année, de façon, je pense, mensuelle. Et bon, je vais parler un petit peu de la vision du conseil municipal, des projets pour l'année 2015. Alors, ça va tourner un petit peu autour de tout ça. Ça va être quand même, en tout cas, je l'espère, intéressant pour tout le monde. Sûrement, Mme Nantel, ne vous en faites pas. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et je vous souhaite une belle soirée. C'est un plaisir, merci. Like a living to be on the floor, that but my eyes would see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it began. When we meet you, the pseudo house, sway we smooth, sway we now.
sound of violin long before it begins. When we hit, I only you know how. Sway me smooth, sway me now. Cha-cha-cha. I mean, mother wants to fly. Hold me close, make me fly. I'll be on the wonder show. Hold me close, sway me more. François. Merci. Je la dédie à Jessie.